Bonjour à toutes, à tous et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo de Dark Astor Multi. Je suis en compagnie. Attends. T'aurais pu attendre un peu avant de réécrire ce truc. Donc, je suis en compagnie de Vaval faisant l'allemand. Salut. Redac faisant le français. L'URSS est joué par Floral. Coucou. Et les États-Unis sont joués par Antoine. Yo. Antoine Daniel. Play, voilà. Et les autres, ils me font trop peur, j'aime pas ça. J'aime pas avoir peur. C'est un sentiment de peur. Non, tu crois? La peur, un sentiment de peur. Tout ce que tu dis est moi, très logique. Je taxe de la thune à tout le monde, moi. Vas-y. Te gêne pas. Par contre, moi, t'as rien à taxer. Bonjour, Brésil, ça va? La famille et tout. Les enfants, les cap... Attendez, l'accord là il se fait sans moi ou je rêve? Mais non, mais toi on s'en fout, t'as pas compris. T'as pas entendu que je parlais au Brésil? Mais non, mais pas vous, hein. Les deux autres là ils sont occupés à comploter contre moi. Attends. Le français et l'Allemagne font un complot? J'en okay. sais rien. Mais là, l'URSS, faut qu'on se réveille un peu là. Je crois qu'on doit rouler sur l'Allemagne. Non, pas avant 39. Ouais mais non, et les deux ogres là, ça va pas trop hein les gars. Bah attends, on a faim nous, on a pas bouffé de pays depuis un bout de temps. Ça fait un mois tu sais, oh la faim hein. Comprenez-nous. Moi, j'essaie de gratter les restes de thunes de l'Australie après que tu sois passé. Je taxe tout le monde. J'ai pu gratter 20 thunes. C'est quoi ça? Vous êtes trop taxé tout le monde. Toi, rien. Oh putain. Quoi? Mais ça veut dire pas de guerre là, non? Enfin, j'y comprends pas. Je comprends pas, votre stratégie, elle est un peu bizarre. Mais c'est simple, juste que tu veuilles comprendre. Ouais. Je vais me faire troncher quoi, encore une fois. Mais non, t'as rien compris. Ouais, bah j'ai échangé un Mara pour un autre, hein, les gars. Désolé, Redac, c'était pas contre toi. Il est un peu, voilà. Ouais, c'est pas faux. Mais ce sont des divisions françaises. Ça va faire mal. De quoi ça va faire mal? Mais ça va faire mal, les divisions françaises. Je crois qu'elles sont meilleures que celles italiennes. Elles sont meilleures. Les divisions russes, elles sont aussi bonnes que les armées, que les divisions allemandes. L'armée est à jour. J'écris fil au lieu de fil. D'accord. L'armée américaine est enfin à jour, messieurs dames. Si, j'avais compris, t'inquiète pas. Mec, ton armée est pas à jour, hein. La mienne elle est presque à jour. Je vais avoir le truc 36, attends, l'infanterie 36 va tous arriver. Regarde du Escorp 2 qui est en Suède. J'ai tout fusionné. T'as fait tech, en fait, l'américain. T'as tout fusionné, mais si tu as dit de pas toucher, putain, il est... Attends, tu m'as rien dit. T'as pas de technologie, l'américain, là, petit? Je sais pas, on va aller voir. Attends, bon, bah, je remets comme c'était avant. Non. Il est saoulant. T'en as, toi, l'allemand? Eh bien. Non, j'en ai pas. Bon, on va se préparer contre le japonais, hein. Quoi? Eh, vous savez qu'on est en 35, là. Et alors? Abusez pas, les gars. Il a rien, le japonais. Bah, justement. Il a des bébés. Attends, il a quand même... Il y a... What? Ah non, c'était un Manchoco. Il y a quand même 97 pp à prendre. Je vais pas attendre qu'il soit prêt. Hein. Bon, attends, moi je vais attendre d'avoir fini mes grandes purges avant quand même. Sauf si tu déclares la guerre toi-même. Laissez quand même un peu le japonais, hein. C'est complètement déloyal ce que vous allez faire là. Mais non, c'est le jeu. Ouais, à la limite, t'attaques l'Inde, je suis d'accord. Mais la Yougoslavie, c'est illégal. Attaque le russe aussi, c'est bien ça. Ok. Tout seul. Le russe, est-ce que t'es prêt contre le Japon? Ok,
Bah non. Octobre, ah. J'attaque. Non, mais. Octobre non, non. Sérieux. Et mais prenez pas le Japon à deux en plus, c'est n'importe quoi ça. Bah quoi. Et les gars, et après on vient chouiner comme quoi je prends des territoires, c'est quoi ça, nom de Dieu. À chacun son tour. Hein. Ouais, bah là, c'est un putain de tour, hein, merde. Attends, laisse-moi déployer toutes mes troupes. Ah le mec il me dit octobre, quoi. Attends, ils ont plein de divisions, regarde-moi ma vision. Par contre, c'est toi qui déclare la guerre, hein. Moi j'ai plus envie de me retaper de 10 cents avant un petit bout de temps. Eureka, c'est là. Oui, c'est moi qui déclare la guerre, oui. C'est bon alors. Alors, je t'autorise. Alors, pour l'instant, j'ai que 3 flottes de guerre. C'est trop la merde, quoi. Et ouais. C'est complètement déloyal ce que vous faites là. Et non. C'est pas de la guerre. Sacha, il va arriver, il aura plus de pays. Vous voyez s'il vient un jour. Ouais, il viendra pas, à mon avis. C'était seulement un mois, Tony. Bah, n'empêche, je te le mets quand même en hardcore. Ça passe crème, t'inquiète. Rien à faire. Ça va passer. Bah ouais, mais attends, le japonais, il va crever, là. Le japonais, ouais. Le pauvre japonais. Putain, il va se faire défoncer, pas au Japon. Tu sais qu'en Corée, ils font beaucoup d'infanterie quand tu fais un état fantoche. Je répondrai pas. Ah, voilà ma flotte de transport. Bon, c'est un grand jour pour le Reich. Un grand jour pour le Reich, ouais, c'est ça mon cul. Ouais. Ah, je sens bien venir la Wehrmacht. Et la Wehrmacht. Ouais. Sauf que c'est pas bon pour moi. Bah si, t'es son allié. Bah non, c'est pas mon allié. Ah oui, pas encore. Allez, attention, c'est un grand jour, j'ai pris le contrôle du Tuna Tuva. Ils sont occupés à faire un complot contre toi là, j'aime pas trop ça. Contre toi, on s'en fout de toi. Bah, avec mes 44 divisions là. Je pourrais rien faire moi contre ces deux monstres. Quel monstre ça, tu vois des monstres? Moi je vois pas de monstres. Non, on est gentils. Il y en a même 4 des monstres ici. Parce que moi, on peut pas me considérer comme un monstre, j'ai pas assez de division pour. Le russe, il en a 150 au Boimo, voire même beaucoup plus, vu qu'on est en 35, là, il a dû en faire. Qui? L'américain, vu tous ses pépés, il doit en avoir une centaine actuellement. De quoi? Non, t'as pas 100 pépés? Enfin, pas 100 divisions? Non, Par contre, j'ai 200 bateaux, quoi. Ah ouais, d'accord. Ouais, non, tu vois, ça passe. Ouais, mais... c'est que j'en ai que 30 des bateaux, moi. Ouais, mais bon, ouais. Enfin, des vrais bateaux, je veux dire, parce que les autres, ils comptent pas. Lui, il a que des vrais bateaux. Moi, j'ai que dalle en vrai bateau. Moi, j'ai des bateaux en bois, ils flottent pas. T'es russe en même temps. Après, j'ai un allié en carton aussi, attends. Un allié en carton. Un allié en carton au niveau naval, dans le reste, il est vachement bon. Bah, en fait, lui, il a des soldats de bois, de plomb, et moi, j'ai une flotte en carton. de plomb, désolé, mais... les États-Unis, ils ont une bonne armée, hein. Bon, ils ont un désavantage comparé à l'Allemagne au niveau du moral et des trucs dans le genre, mais sinon, ils ont une très très bonne armée. Tu sais, j'ai l'impression d'être le seul... Tu vois, au début, t'as tous les bons trucs avec la Russie, mais c'est juste après, en fonction de quand la game commence, et ben, t'as que des trucs qui sont pas bien, parce que t'as toutes les purges, et ton armée, c'est la moins forte du jeu, tes unités. Ouais, à cause des purges. Ouais, surtout à cause du moral, quoi, là. T'as aucun moral là-dedans. Ça organise la flotte russe, ça bouge apparemment? Non. Si, si. Alors je vais faire des doctrines défensives, ah oui, moi, j'ai rentré au port. je vais commencer des doctrines défensives, tu vois, des trucs de repli et tout. Des trucs de faible. Je t'emmerde. Trucs de faible, non, sérieux. C'est faible de s'allier à la nation la plus puissante du jeu pour pouvoir... aller se faire des trucs comme le Japon, quoi. C'est tellement déloyal, ça. Il était d'accord, le Japon.
Non. On lui a demandé son avis. Il y a qu'on est potes avec le Japon, on le saurait s'il était d'accord. Moi, je te dis qu'il était d'accord, moi. Non, il est pas d'accord. Ouais, si on a fait un meeting, une réunion et tout le bazar. L'Américain ramène tes troupes le long de ma frontière, comme ça tu peux boucher les trous. Sauf si tu débarques directement sur l'île, sur l'archipel. Ah bah oui. Ok, bon bah d'accord. Bah je m'occupe du. T'es d'accord avec moi? Ouais, je viens de lire le truc là. Ouais. Ça... Moi je le sens pas encore là. Enfin si, ça sent le gasoil. Putain, j'ai des flottes partout aux États-Unis. T'as des flottes partout aux États-Unis? Ouais, bah. C'est pour contrer l'Angleterre au moment de l'attaque, c'est ça? Ah, pour l'instant, c'est pas l'Angleterre. Hein. L'Angleterre, elle s'en fout. Oui. Elle nous veut rien, l'Angleterre. On est juste copains avec les Anglais. Hein. On est juste copains, mon cul, ouais. Bah, l'Angleterre, si. Si vous êtes pas copain avec le français, vous serez pas copain avec l'Angleterre. Hein. Et pourquoi on serait pas copain avec le français? Il prévoit des trucs de bâtard dans le dos là? Bah. Français comme un oui. Non, non. Non, bah contre moi, oui en fait. C'est ça le problème. Du coup, je sais pas trop ce qu'il va faire après. Mais arrête avec tes rapports d'usure, l'Américain. C'est moi qui les reçois. Tu vois, si reçois les rapports d'usure de l'Américain. T'as la poste, elle s'est trompée d'adresse. J'aime pas trop ça, moi. De quoi? Tout ce qui se passe. Il se passe rien. Ouais, un nouveau navire encore. Encore. Genre. Un cuirassé. T'as déjà pas une assez grande flotte comme ça, toi? Ouais, non. Moi j'ai une flotte de merde. Ouais, je suis à 300. J'ai tellement de navires, je peux tout gérer, c'est chiant. J'ai encore des croiseurs lourds niveau 2, tu vois. Et alors, te plains pas? Moi j'ai trop de bateaux, moi. Lui il a sûrement des porte-avions niveau 5 ou un truc du genre. Non, c'est pas possible. Non, c'est 4. 4? Bah c'est déjà bien, hein. Je dis ça, je dis rien, mais. C'est déjà plus haut que mon truc, hein. Mon seul porte-avions, c'est un porte-avions d'escorte niveau 1. Oh, moi, mon seul porte-avions, bah, je l'ai perdu. Ah, des scopes, en plus, c'est même pas un CV. Non, c'est un CVE. Ah. L'Allemagne enlève tous les accords. Quoi? L'Allemagne enlève tous les accords que j'avais avec elle. Comment on va faire au niveau du pétrole que tu me donnes, du coup? T'inquiète, laisse. Parce que j'ai du surplus. Bah, moi aussi, j'ai du surplus, en fait. Ah bah c'est bon, bah on arrête tous les deux les accords, je crois. Ok. Mais il faudra que tu me refasses l'accord d'énergie, parce que sinon je serai dans la merde. T'inquiète. Je suis pour le russe, vas-y, on le fait. Aïe. Pourquoi je le sens pas là? Première étape du plan... Machiavélique. Ouais, mais franchement, si vous faites ça au Japon, pas d'honneur, je dis. Enfin, c'est eux qui l'ont plus d'honneur, ce sont les Japonais. C'est bon, le russe est fait. Ok, non, mais j'avais rien quasiment avec eux. Les deux plus grandes puissances alliées, ça va franchement se faire. Bah ouais, mais ça va être tellement chaud ça. On vous emmerde. Ça va être tellement chaud. Oh putain, le français il a toujours la blinde de fric. Il a qu'une seule division là. Doctrine navale. Oh, vas-y, file-moi du charbon, s'il te plaît. Ah oui, excuse-moi. Parce que sinon, je suis dans le rouge, là. Il me manque, je suis en moins 148. Ah, excuse-moi, j'ai un surplus de 730. Il m'en faudrait à peu près 200. Non, on a dit un truc. Et ça fait de l'argent. Mais j'ai plus de... J'ai plus de fer. Non, t'inquiète, j'ai... Oh, le russe. Bâtard. Oh bâtard. Alors, vas-y, t'arrives. Il a annulé nos accords de fer. Là. Ah, t'en manques de ressources un coup là? C'est bête, hein. Oh putain, je suis à moins 110. bande d'enculés. C'était pas prévu. Mais on peut pas refaire l'accord là, s'il te plaît? 15 octobre.
Non, mais aussi avec le russe, hein, parce que j'ai besoin de mon fer, moi, parce que sans fer. Ah, bah, ah bah, tu vas te débrouiller, hein. Ouais, sérieux. Je te jure que c'est. Promis, c'était prévu. L'américain, tu veux pas? Non. Oh. Menace planant sur nos pays étant tellement élevée que nous avons décidé de mettre un embargo commercial sur ce pays. Ah, carrément. Vous m'avez embargoté, les gars. C'est sérieux, là. Bon, ouais, mais attends, j'étais les... avec l'allemand, l'allemand passe aussi dans le truc. Il a rien. Désolé, l'allemand, c'était pas contre toi, mais l'embargo doit se faire tout autour de toi. Moi, j'ai rien. Vous êtes sérieux là, les gars? Rien, je suis pas lié avec. Mec, tu m'expliques pourquoi je suis en négatif en argent? J'ai moins 855. Moins 800? Oh putain de merde! Pourquoi? Ah bah, la fin des accords, hein, c'est comme ça. Non, non, c'est pas ça. Hein. Si, si, ça va être ça. Si, parce que l'anglais, du coup, il te file plus rien non plus. Non, non, mais je veux dire, c'est pas que je gagne jour par jour, mais c'est juste actuellement, j'ai eu, j'étais à quoi, à un certain chiffre, et puis là, j'ai fait un truc, et puis j'ai eu moins 800. Ah ouais, je sais ce que j'ai fait. Qu'est-ce j'ai fait cliqué le machin, c'est que, sans exprès, tu vois, j'ai cliqué deux fois sur la recherche nationale et le machin, et j'ai cliqué en même temps. Ça m'a compté pour deux trucs, alors je pouvais le faire une fois. Bon, bah voilà, tant pis, hein. Oh putain, comme j'aime ça. Oh, tu gères. Ah, oh, tu gères. T'as le mec qui te on le fait. On avait besoin de ça. On avait besoin. Je suis tellement dans la merde, moi, les gars. Ah, je te fais quelques accords, là. Ouais, ouais, je sais. J'ai vu tes accords, mais... Mais là, là, ça suffit pas, tu vois. La flotte américaine est proche de la petite île de Turc. Demande-moi les 100 d'énergie encore. Mais non, là, c'est plus que 100 d'énergie maintenant. Étant donné que j'ai plus les États-Unis ni la Russie en accord commercial avec moi, j'ai moins 300. Ah, je peux pas te tenir autant, par contre. Putain. Par contre, Antoine, t'as vu où ils étaient les points de capture japonais? Ouais, 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 il y en a un, c'est une île. Mais il y en a deux sur des îles. Il y en a partout sur des îles, en fait. Oh, la galère. Ah ouais. Bon, bah, bonne chance, hein. Moi, je m'occupe. Merci. De la Munch. Du Munchuko et de la Munch. Et en fer, j'ai combien, là? Ça va, ça va. Bah, je peux tenir encore quelques temps, mais enfin, pas trop. Ah ouais, comme ça, ça t'apprendra à faire le mariole. Tiens, le bariole, ce qu'il va te dire, mec, je sens que tu vas déguster. Je sens que tu vas prendre cher. Bah non, je vais pas prendre cher. Parce que le russe, il a dit qu'il laisserait plus passer un truc pareil. Bah genre, vous allez attaquer le Japon, arrêtez vos bariole, mec. Ah, c'est pas moi, c'est le russe. C'est bête, il y a des révoltes en Italie. Ouais, il y a des révoltes en Italie. Il y en a partout en Italie. Alors ferme ta gueule. Parce qu'il y en a que vous avez pas vu qui ont popé sur des unités, en fait. Mais en fait, il y a des révoltes en France, en Italie. Et quand il y a qu'aux États-Unis où ça va. En Russie, et en Russie, ça va maintenant. Ouais, maintenant, ouais. Mais... Avant, c'était la galère. Putain, il a 353 PP, attends. L'autre, là. Putain. Bonjour, j'avais 587. Ouais, mais toi, c'est normal, tu vois, c'est ça la différence. Ça va, ça va, on est qu'en 35. Ouais, ça va, ça va. Oh, on est qu'en 35, c'est ça le pire. Oh putain. L'italien devient immense. Bah, pas tant que ça, en fait, hein. Parce que au final, je perds énormément de ressources un peu partout. Accepté, Redac. Oh putain. Et en plus, la Hongrie, faut pas croire, c'est une autre paire de manches. Hein. Il a Redac. Ah ouais, je suis là. Redac. T'as accepté ou pas? Non, toujours pas. Parce que je suis en manque de tout. Ah, le moment est bientôt venu, le russe. Hein. Oui. Non, mais les gars, le Japon, vous êtes sérieux? Vous avez même pas besoin de vous mettre à deux là-dessus, quoi. On s'en fout. Oh, quelle bande de traîtres, quoi. Faut bien que quelqu'un le fasse. Bah oui. Mais non. Ça aurait pu rester comme ça, c'était très bien. Ouais, Floral, t'as raison. Mais sauf qu'on n'a pas d'autres qui brodissent du fer. Ouais, c'est bête. Y'a que nous. Fermez vos cœurs, je veux pas. Attends, 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 attends. Attaque pas tout de suite, faut que je réorganise mes troupes. Puisque ah bah, je trouve pas la totale.
Non, bah attends, mais c'est juste, je suis pas totalement sur la totalité du front, donc je vais séparer des armées en deux. Pas totalement sur la totalité, waouh. Il y a beaucoup de total dedans. 72 navires qui est devant le endroit que je veux attaquer. Ouais. Mais je vais prendre les îles une par une, et après je débarquerai dans leur pays. Ouais, parce que t'es un peu loin du Japon en tant que tel. Hein. Ça va venir vite. Voilà, comment avoir de nouvelles décisions. Ah putain, je suis tellement dans la merde de votre faute, les gars. Ben ouais. J'ai 3 ressources sur 6 en dans le rouge là. Mec, j'ai bientôt plus de dissidence. Ah, c'est bizarre ça, pourquoi j'ai. Oh oui, mais tellement peu. Oh, mais tellement peu. Je suis tellement dans la merde, moi. Ah bon, on est bien content. Je vais pas te faire foutre un espèce de connard. J'ai une chier division qui est reprête pour partir au Japon dès que c'est oh, bon. Oh, l'Angleterre. Oh, merci l'anglais. Oh putain, merci. Oh oui, il me donne 280 de charbon, l'anglais. Bon, t'es plus en manque. Oh, il m'a sauvé la vie. T'es plus en manque. Quoi? Non, je suis plus en manque là, c'est bon. Anglais de mes deux, tiens. Oh. Oh, je t'aime, anglais. Je t'aime. Bah, mais quand tu veux, l'américain. C'est vrai? Bah, attends, le 14 novembre, toutes mes troupes sont prêtes. Donc, Et moi, c'est prêt le 8 novembre. Bon, bah, on a le 14, on attend. On peut attendre. Non, non, j'attends pas, moi. L'autre, allez, vas-y. Bah, voilà, tu te démerdes. Hein. C'est toi qui déclare la guerre, de toute façon, donc. Forcément, j'ai pas envie de me retaper à Dissent après avoir fait chier, après m'être fait chier à tout remettre bien comme il fallait. Alors, comme ça, c'est pas que le bordel chez moi. Merde, j'ai fait une connerie, on l'annule, voilà. J'ai 8 divisions, je sais pas comment, mais en tout cas, il y a tous mes états fantoches, ils ont produit 8 divisions. Ah non, en fait, c'est bon, c'est juste j'ai une division. Tintin, bon, mais attends, pause. C'est censé être le russe qui a attaqué le Japon. Non, t'es malade, toi. J'ai pas envie de me retaper de la dissidence. C'est vrai que tu serais trop dans la merde si tu te retapais de la dissidence, toi. Pourquoi ils s'en tapent pas, l'américain? Non, ah bah si. Mais juste, bah, on partage la dissidence en fait. Un jour c'est lui, un jour c'est moi. C'est qu'une bande de bâtards, hein. Qu'est-ce que tu veux? Oh putain, je me fais complètement ken. Bah, moi je suis prêt. Hein, bah, maintenant y a plus que le fer qui pose problème. Bon, c'est bon, moi toutes mes attaques sont bonnes. Et toi? Ah bah, attends, faut que j'attaque. On n'a pas le même front attaqué. Hein. Ah oui, c'est vrai. De toute façon, je crois que dans ta liste de combat, tu les vois, mes attaques, non? Ouais. Donc, ah, tu leur roules dessus. Ouais, mais ils utilisent des délais, puisque j'ai des unités qui sont de 18, de 26, etc. Donc... Ah, bah c'est le moment d'attaquer le russe, alors. T'as la Wehrmacht, non? Attends, t'inquiète pas. J'ai plein d'infanterie de ton côté. J'en ai au moins une centaine de divisions. Donc c'est bon, c'est mort pour toi. Non, mais t'inquiète pas. Tu sais pas combien de divs j'ai. J'ai des services secrets très performants. Très performants. Ouais, bah. Oui, ouais, bah, je vois ça parce que je peux pas regarder combien de divisions tu as, ça, à la frontière, alors que chez le français, je sais. Bon, ils sont lents, mes troupes. Oh, j'arrive pas à avancer, tu vois. Tu vois, j'ai beau leur rouler dessus, comme tu dis. Mais ça avance pas. Ils tiennent jusqu'au bout, ces mecs. Ils veulent mourir pour rien. C'est pour pas rien, pour rien. Pour leur pays, quoi. Ouais, voilà. Mais attends. Mieux vaut mourir. Oui, bon, c'est bon, c'est pas. Mais le pays, on s'en fout. Ils s'en foutent de leur pays. Moi, ouais, il a vraiment crash, mon Darkest Tower. Sérieux? Ouais. Ça s'est fonctionné. T'as pas le droit, hein, de crash. Bon, sauvegarde. Et on relance. Ouais, ouais, je sais. Attends deux secondes. Fais une ellipse aussi. Ah oui, bah. Bravo. Ah bah non, la vidéo est maintenant terminée parce qu'il restait 30 secondes en fait. D'accord. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner pour voir la suite. Au revoir à tous. Ma gueule, ça va. Et à plus pour d'autres vidéos. À plus. Salut. À plus.